Hey, salut à tous les amis, c'est Giocani, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur du Hogwarts Legacy aujourd'hui et on va continuer. Alors si vous vous souvenez bien, on était rendu là où il y avait des mages noirs, des serpents cendres, je ne sais plus comment ils appelaient ça, l'armée de Rookwood. On avait reçu une lettre. On n'avait pas été le petit aider le été aider le petit gobelin. Alors on va peut-être aller l'aider. Parce que pauvre petit gobelin, il a perdu sa charrette et son chariot. Il peut plus vendre des choses. Après ce que Ranrok a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. C'est long, le canton de Gobelin. Derrière les ruines, je suis sur la bonne voie. Peut-être commencer à utiliser les poules de chevronnette, hein, parce que je l'ai déjà visité. Un campement. C'est sûrement ici. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Okay.
Inside joke. Il y a plusieurs moyens d'entrer. Combien êtes-vous? Réveillon. Il y a plusieurs moyens d'entrer.
comprends rien. Hein. Faut que j'aille me limiter. J'ai la limiter du jeu aussi. Thank you.
Combien êtes-vous ? Cela représente une épreuve. Il reste 3 à tuer.
peut pas faire mieux que ça. Action. C'était nul. Faut que j'utilise mes choux. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Là, ça ne sert à rien. Combien êtes-vous ? Non, mais c'est ça. Ce fut complexe. Je mets de la mort douce. Thank you.
impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arne. Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Ceux que j'ai affrontés ne m'ont certainement pas facilité la tâche. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous souhaite le meilleur. Quand les chariots arriveront, je serai ravi de vous montrer les marchandises. C'est devenir chaud. Alors il faut que j'aille. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Comment on fait pour l'utiliser? Sur la carte. Thank you.
faire une trop longue vidéo et vous allez me voir marcher pendant longtemps. Mais c'est pas le but. Qu'on se sert un peu de cette poudre de cheminée. Château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Ça, c'est un château. Il existe plus accueillant que Préolard. Comme c'est gentil de passer me voir, mon ami le professeur Fig m'a vanté votre ingéniosité. Il ne m'a pas donné le détail, mais il m'a dit que vous aviez trouvé un livre très bien caché. Je me demandais si vous accepteriez de vous charger d'un petit travail d'investigation. Qu'est-ce que j'ai là ? Bien sûr, monsieur Ollivander. Ça pourrait me plaire. Magnifique. Voyez-vous, il y a environ un siècle, une baguette en bois de pommier avec un cœur d'aile de fée a disparu de cette boutique. Ma grand-tante soupçonnait un étudiant nommé Richard Chouka. Il était assistant ici, mais avant de disparaître. Richard Chouka ? Comme l'oiseau. D'ailleurs, il passait son temps dans la volière de Boudelard. Nous avons cherché là-bas, bien sûr, mais nous n'avons pas trouvé de baguette. Nous avons cependant trouvé des statues rappelant des Chouka. Je suis sûr qu'il s'agit d'un indice, mais je ne comprends pas ce qu'elles indiquent. Avant de mourir, Richard radotait au sujet de pages représentant une carte qu'il avait dérobée à Pise. Comme vous vous en doutez, ce dernier ne nous a pas été d'une grande aide. Pourquoi le voleur s'est emparé de la baguette ? J'avoue que je n'en ai aucune idée. D'après ce que j'ai compris, il se prend pour une sorte d'aventurier. Il cherchait toujours les ennuis. Depuis sa disparition, le bruit court que son fantôme aurait été aperçu à Préolard. Après ça, je n'ai plus entendu parler de lui. On dirait bien que son esprit aventureux n'a eu raison de lui. Peut-être pensait-il que la baguette détenait un pouvoir spécial à cause de sa prestigieuse lignée. Il est étonnant de voir à quel point le fonctionnement des baguettes est mal compris. Qu'est-ce que cette baguette a de si spécial ? Oh oui, elle est très spéciale, mais pas de la manière dont vous l'entendez. Elle ne confère pas de pouvoir particulier à son porteur, pas du tout. Mais les Ollivander pourront dormir tranquilles une fois qu'elle nous sera revenue. Et cela vaut bien tous les pouvoirs du monde. Vous devriez poursuivre vos recherches à la volière. Je pourrais. Cependant, le directeur n'apprécierait pas qu'un vieux fabricant de baguettes traîne dans le coin. Je ne peux pas lui en vouloir. De plus, il est possible que je cherche depuis trop longtemps.
Un regard neuf ainsi qu'un esprit vif comme le vôtre pourrait résoudre ce mystère. J'irai jeter un œil pour vous. Vous m'avez donné de quoi faire. Oh, vous redonnez de l'espoir à un vieux fabricant de baguettes. Le professeur Fig disait vrai. Vous êtes quelqu'un de remarquable.
d'homines, j'en ai plein, mais je ne sais pas où ça sert. Les statues dont parlait Monsieur Ollivander doivent être en haut, parmi les hiboux. Ne faites pas attention à moi, les hiboux. Je viens juste aider quelqu'un. Bon, où se trouvent ces statues ? Je reconnais ces poignées. Un sortilège d'attraction devrait faire. Ça me va très bien. Je dois continuer de chercher. Thank you.
Serait-ce possible? Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme? Je vous félicite. Bonne nouvelle! Si vous avez quelque chose à cacher, vous avez trouvé l'endroit idéal. Richard Chouka, pour vous servir. Richard Chouka? Monsieur Ollivander avait donc raison. Il veut retrouver la baguette de sa famille. Par Merlin! J'avais oublié cette baguette. Je vous assure que je ne l'ai pas sur moi. Je suis à peu près sûr de l'avoir lâchée quand j'ai perdu la tête dans cette grotte. Oh, pourquoi ai-je suivi cette carte? Quelle carte? Oh, c'était une bêtise. Je l'ai trouvée sur de vieilles pages dérobées par Pimms. Je voulais impressionner une fille, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vous avez volé une baguette, puis suivi une carte indiquée sur des pages dérobées à Pimms, et c'est ce qui vous a mené à votre perte? Résumé comme cela, c'est encore plus absurde. Mais oui, pourquoi tant d'intérêt pour une vieille baguette? C'est Ollivander qui s'y intéresse, pas moi. Ce que je veux, ce sont les pages. Pourraient-elles se trouver dans la grotte avec la baguette? Sans doute. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite? Je me ferai un plaisir de vous emmener là-bas. Je crois savoir comment vous êtes mort. Mais qui vous a fait ça? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Pourquoi avez-vous volé la baguette de la famille de Monsieur Ollivander? La famille ne cessait de répéter qu'elle était très spéciale, alors je l'ai prise. Comment résister? Malheureusement, elle ne l'était pas assez pour sauver ma peau. J'avais l'intention de la rapporter quand j'ai appris qu'elle n'avait qu'une valeur sentimentale. Mais, comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas eu le temps. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvés dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures. Tout ce qui peut semer le chaos. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. Si c'est la seule façon de récupérer ces pages, je vous rejoindrai là-bas. Si la vue de... de mon squelette décapité ne vous gêne pas, la baguette et les pages sont à vous. Ça dans un prochain épisode. Voilà, on va se dire à très bientôt. C'est la fin de ce let's play. On va sauvegarder la partie comme d'habitude. Et on va se laisser sur ces superbes images. Voilà, c'était Joe Cagny, et j'espère que ça vous a plu, ce petit let's play. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans Hogwarts Legacy. Allez, ciao!